Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania. Aujourd'hui, nous allons découvrir une thématique que j'affectionne tout particulièrement, la créativité. Mais pas que, nous allons aussi déterminer comment développer son imagination et sa créativité. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Faure, formatrice et facilitatrice en créativité et innovation, qui est également membre de la communauté Lyra de BGE Picardie. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute. Hello Valérie, comment vas-tu? Bonjour Adriana, ben, je vais bien. Merci de te joindre à nous aujourd'hui pour aborder une thématique précieuse en entreprise, pour pouvoir développer des projets innovants, pour pouvoir mener à bien des stratégies marketing, notamment la créativité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, quel a été ton parcours professionnel et ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat? Avec plaisir. Alors, en quelques mots, je m'appelle Valérie, je suis maman de deux magnifiques filles. Et avec mon compagnon, on habite à la campagne, dans un environnement proche de la nature, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis une âme sensible et parfois un peu solitaire, qui a besoin d'espace et de silence pour se régénérer, et qui aime aussi le contact des gens par moment. Ma vie professionnelle, moi, elle se partage en deux périodes. Une première période où j'ai été salariée dans le domaine de l'innovation. Justement, j'ai travaillé sur des produits de soins pour la personne dans un grand groupe qui s'appelle Unilever. Ben, j'ai eu différents métiers dont le fil rouge a toujours été d'aller chercher des nouvelles idées de produits pour les proposer à nos clients. Et donc, j'ai exploré plein de méthodes d'innovation, de créativité en collectif sur une zone géographique qui couvrait toute l'Europe. Donc, c'était un métier absolument passionnant. Voilà, j'ai fait ça pendant 13 ans. Et puis, il y a eu un plan social dans cette entreprise et ça a été à ce moment-là l'occasion de se poser la question si je continuais dans le salariat ou si je lançais ma boîte, ce que j'ai choisi de faire il y a 13 ans maintenant, parce que vraiment, j'avais au fond de moi cette envie aussi de mettre à profit cette expérience et puis de me rapprocher d'un projet qui me ressemble encore plus, qui me permet encore plus de m'exprimer. Et j'ai eu notamment la chance à ce moment-là de croiser un consultant qui m'a beaucoup aidée à me rapprocher, je dirais, de mon feu intérieur, de ce qui était nourrissant, ce qui pouvait m'alimenter, me faire grandir. Et il m'a aidée à trouver le périmètre de mon projet, qui est celui d'aujourd'hui encore. Maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis indépendante. Comme tu l'as dit il y a un instant, je suis formatrice et facilitatrice en créativité et innovation. Et voilà, je suis passionnée par mon métier, par la diversité des missions qui sont les miennes. J'ai des clients qui peuvent être très différents à toutes les étapes de vie en fait d'une entreprise, quand on est dans la phase de transition professionnelle et qu'on va lancer son entreprise, et toutes les phases de développement ensuite, parce que je pense que tu en es convaincu aussi, mais il s'agit de continuer à se réinventer, à faire bouger les lignes, à être à l'écoute du marché pour pouvoir avoir une entreprise qui est pérenne. Et pour ça, notamment, il faut faire preuve de créativité, aller chercher ses ressources et innover dans son organisation. Et oui, justement, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous partages, Valérie, parce que le monde n'est que changement. Le monde se renouvelle en permanence et les entreprises, pour perdurer, doivent savoir aussi, avec agilité, se réinventer. Oui, c'est essentiel, en fait. Pour moi, il y a un mouvement, un peu un espèce d'aller-retour. C'est être connecté à l'extérieur
pour voir les changements qui sont en train de s'opérer et pouvoir ajuster par rapport à ça et aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a envie d'exprimer et comment ça peut entrer en relation, en résonance, en cohérence avec les changements à venir. Donc, il faut à la fois, à mon sens, être très connecté à l'extérieur pour ne pas perdre le fil de ce qui y passe, ce qui se passe à l'extérieur, et très connecté à l'intérieur pour avoir cette capacité à trouver sa place justement dans ces changements et à s'exprimer et à se rendre visible, désirable, porteur de valeur. Donc, y a vraiment ces deux aspects-là qui peuvent peut-être par moments sembler antinomiques, mais qui sont essentiels, qui sont complètement complémentaires pour moi. D'ailleurs, nous n'en sommes qu'au démarrage de ce podcast et tu nous partages déjà des pépites. Ça promet pour la suite. Mais avant justement de pouvoir aborder avec plus de profondeur ce que tu viens de nous partager, ce que je te propose, si tu es partante, c'est ta présentation sous forme de portrait chinois. Allez, allons-y. Let's go. Si tu étais une planète, Valérie, laquelle serais-tu ? Alors moi, je choisirais la Lune, parce que pour moi, la Lune, elle symbolise la force intérieure, la puissance, mais dans la douceur. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. On dit souvent de moi que je suis quelqu'un de doux, et c'est vrai, et je sais que c'est quelque chose qui me caractérise. Et pour autant, j'ai découvert que cette douceur, elle pouvait avoir beaucoup de puissance. Et pour moi, c'est un peu la qualité de la Lune qui, par exemple, est à l'origine des marées sur la Terre, mais voilà, sans qu'on le voit visuellement, mais il y a une action en profondeur très importante et je m'apparente à ça. Je suis peut-être moins dans une énergie solaire, d'avoir besoin d'être visible, mais par contre, j'aime agir en profondeur et en douceur, mais tout en ayant de la puissance quand même. Et la Lune, d'ailleurs, a une capacité d'adaptation à toute épreuve. Chaque jour, elle change, elle se transforme, elle se renouvelle en permanence. Oui, elle, pour moi aussi, elle me connecte justement à ce renouvellement dont tu parles, à l'impermanence des choses. Voilà, il y a le jour, il y a la nuit, et puis on en parlera peut-être plus tard, mais ça connecte aussi au fait que le changement, c'est notre vie en fait. Et donc, quand on est dans des périodes peut-être de nuit, de noir, il faut garder l'espoir qu'il y a un jour derrière. Et donc, oui, ça connecte à cette espérance peut-être aussi. C'est beau ce que tu partages, Valérie. Si tu étais une chanson, laquelle serais-tu ? Alors, sans aucun doute, une de Francis Cabrel, parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup dans la poésie de ses textes. Après, il a tellement de chansons que j'aime, mais peut-être pour en citer une qui est un peu moins connue et qui donnera peut-être envie aux auditeurs qui nous écoutent d'aller écouter ça sur une plateforme. J'aime beaucoup la chanson « Une star à sa façon » où vous redécouvrirez peut-être cette chanson, mais il parle des maman. Et je trouve que c'est un texte qui est très, très beau. C'est une super idée, une super proposition que tu nous partages, Valérie. D'ailleurs, là, je prévois, pour diffuser les informations de ce podcast, de choisir cette bande-son. Merci pour ce cadeau. Avec plaisir. Si tu étais un mot, quel mot serais-tu ? Alors, moi, j'aime beaucoup le mot « délicatesse ». Et un animal ? Alors, moi, je suis une fille de l'air, donc je choisirais un oiseau. Pour faire un petit clin d'œil à ma vie quotidienne, j'ai pas mal de mésanges qui sont à l'extérieur et je trouve que c'est un oiseau du quotidien, pas très grand, mais qui est présent et qui enjolive en fait notre quotidien. Quand je regarde par la fenêtre et que je vois les petites mésanges dans mon jardin, ça m'emplit de joie. Si on reste sur l'idée de cette mésange, mais si à présent tu avais un super pouvoir, quel serait ton super pouvoir ? Alors le super pouvoir que j'ai, c'est un super pouvoir qui m'a été transmis par ma maman et c'est le super pouvoir de l'émerveillement. Je suis quelqu'un qui a la capacité à s'émerveiller des toutes petites choses du quotidien qui peuvent embellir la journée. Et des fois, on me dit « Mais pourquoi tu t'arrêtes là ? Pourquoi tu regardes ce truc-là » et en fait, moi, un rayon de soleil, quelque chose de beau, mais ça peut être aussi une action, un événement, un petit événement qui se passe, deux personnes qui se sourient, quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre. Enfin, dès qu'il y a quelque chose de beau, de bon qui se passe, ça m'émerveille et c'est une source pour moi de joie, de connexion à la vie. Tu as une carte du monde qui a l'air colorée et splendide où tout
tout rayonne, tout peut s'émerveiller des simples actions du quotidien qui font même penser quelque part à la facilité de pouvoir être en gratitude. Tu appelles ça la carte du monde ? Moi, je le nomme le jardin intérieur. Mais c'est la même chose, on parle de la même chose. Pour moi, c'est ça qui est précieux en chacun de nous, c'est qu'on a chacun un territoire intérieur. Pour dire mon métier autrement, tout à l'heure j'ai utilisé les mots académiques, mais pour le dire autrement, moi j'aime bien dire que je suis une jardinière et que j'arrose le terreau créatif de mes clients. J'arrose mon jardin, mon propre jardin intérieur pour pouvoir éclore, grandir, pousser, trouver un endroit où on va pouvoir être en capacité de s'épanouir. Et ça, on ne peut le faire que si... Nos racines sont solides, que si on a identifié le terrain dans lequel on a envie de pousser, et si on l'arrose. L'arroser, ça veut simplement dire en avoir conscience et faire ce qu'il faut pour laisser de l'espace à tout ça. Et oui, c'est coloré, et quand on l'a trouvé, c'est joyeux, et c'est un endroit de ressources aussi. C'est un endroit où on sait qu'on n'a pas besoin d'être dans un lieu A ou dans un lieu B. On l'a tout le temps au fond de nous. Donc, quel que soit l'endroit où on a accès à ces ressources-là. Oui, c'est un lieu que j'ai mis du temps à trouver. Il y a quelques années, je l'avais pas identifié. C'est venu au moment, petit à petit, au moment de la création de mon entreprise, où là, j'ai pu être plus à ma propre écoute et me dire, il est où ce jardin que j'ai envie d'arroser? Mais il est vraiment de plus en plus présent et maintenant, c'est ma priorité, en fait, hein, d'être connectée à ça. Bravo pour ce développement personnel qui a très souvent aussi un impact positif sur le quotidien des entrepreneurs à partir du moment peut-être où on arrive à cet état d'être porteur et bénéfique. Ça peut-être également, qu'est-ce que tu en penses, faciliter les actions du quotidien? Pour moi, c'est indispensable en fait, c'est le préalable. C'est là où pour moi un des grands déclics, auparavant, je faisais ce que j'avais à faire et après, quand il y avait du temps, j'arrosais mon jardin intérieur. Eh ben, on s'épuise à faire ça et on n'est pas présent vraiment et on n'est pas au meilleur de soi pour faire ce qu'on a à faire. On est, tu vois, tendu dans l'action, dans le mental. J'ai compris qu'en fait, ça se faisait dans l'autre sens. petit à petit, en fait, c'est par l'expérience. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, même si je suis très mental, je le sais, mais j'ai besoin de l'expérience pour avoir compris. Et en fait, c'est à force de m'épuiser dans cette façon de faire que je me suis rendu compte que si j'inversais tout simplement et que je commençais par arroser mon jardin intérieur, 5 minutes dans la journée, c'est pas forcément je passe toute la journée aller me balader, avoir des copains, c'est pas ça. Ça peut être 5 minutes de vraie présence à soi où je me suis nourrie avant d'y aller, avant de faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, j'ai une qualité de présence qui est vraiment décuplée parce que je sais que j'ai répondu à mes besoins. Donc maintenant, je vais être au meilleur de moi pour faire ce que j'ai à faire. Et je suis beaucoup plus efficace dans ce que je fais. Je suis beaucoup plus juste et j'ai rééquilibré ce mental qui était très, très présent et très dans le forcing par une présence aussi à soi, au corps et du coup, un équilibre bien plus doux, bien plus respectueux de son propre écosystème. Donc, le secret, c'est déjà... Et même 5 minutes, ça peut être 5 minutes le matin avant de démarrer, cette qualité de présence, faire une petite chose qui nous nourrit, je parlais des mésanges, 5 minutes, je regarde par la fenêtre et je m'émerveille face à ça. Ben, ça y est, après, je suis prête pour démarrer ma journée. Si j'ai oublié de le faire et que je fonce la tête dans le guidon, je vais être dans un mode d'épuisement et très mental et où je sais... Et maintenant, je suis convaincue, je te parlais d'expérience parce que j'ai réussi à renverser ça. Et je sens que, quand je fais ça, c'est bien plus bénéfique. Mais c'est un travail de tous les instants, hein, parce qu'il y a des jours où je commence la tête dans le guidon et je me dis « Ah, Valérie, t'as oublié. T'as oublié ce truc-là. Reviens un instant à toi. » Est-ce que ça vous arrive, auditeur, ou est-ce que vous avez ces pratiques dans votre quotidien? Est-ce que vous vous accordez ce petit laps de temps avant de démarrer la journée? Nous sommes curieuses d'avoir votre retour par rapport justement à vos pratiques quotidiennes qui vous permettent de vous mettre en action dans de bonnes conditions pour démarrer votre journée entrepreneuriale. Je souhaite à présent te demander, Valérie, qu'est-ce que la créativité selon toi et quel est le lien avec l'innovation? Alors, on a déjà, je pense que vous me rejoindrez, auditeur,
un petit aperçu du lien qu'il pourrait y avoir. Ben, je vais réutiliser un mot que tu as utilisé et qui m'est cher aussi. Pour moi, la créativité, c'est avoir des idées pépites. Ce que j'appelle des idées pépites, c'est des idées qui vont avoir de la valeur, qui brillent, comme quand on cherche une pépite, on ne veut pas un vulgaire caillou. Le vulgaire caillou, c'est l'idée que tout le monde a déjà eue. L'idée pépite, c'est celle qui va briller parce qu'elle apporte de la valeur dans le contexte dans lequel on est, parce qu'elle a une certaine unicité, elle se distingue, bref. On cherche des idées pépites. Et ça, tout entrepreneur, vous qui nous écoutez, vous savez bien qu'au quotidien, que ça soit dans vos offres, que ça soit dans votre façon de vous organiser, dans votre communication, dans votre stratégie marketing, dans la vision que vous devez avoir du futur, dans vos relations et les réseaux à mettre en place. À tout moment, on a besoin de trouver des idées qui vont nous apporter de la valeur pour nous, pour nos clients. Et ça, c'est en faisant preuve de créativité, en allant chercher ce qui est unique en nous, en faisant du lien aussi avec l'extérieur, ce dont je parlais tout à l'heure au début de notre échange. C'est cet aller-retour entre soi et l'extérieur, aller puiser en soi, être connecté à l'extérieur, ça, c'est être créatif. Et donc, c'est la capacité à avoir des idées pépites. L'innovation, c'est ni plus ni moins que la concrétisation de ces idées pépites. Quand j'ai trouvé une chouette idée, je me dis « Ok, ben maintenant, je vais la mettre en œuvre ». Dans mon activité pour que mon client il puisse en bénéficier. Alors, ça peut être mon client qui en bénéficie, ça peut être moi-même. Je peux trouver une idée pépite pour mieux m'organiser dans la journée. On vient de parler là d'organisation, d'être au meilleur dans sa façon de faire. Ça peut être aussi dans ses rouages en tant qu'entrepreneur. Comment je m'améliore, quels outils je vais chercher, quelles attitudes, quel savoir-être je développe. Ça peut être aussi une idée pépite pour soi, qui crée de la valeur pour son entreprise et qui n'est pas visible du point de vue de ses clients directement, mais qui a un impact aussi là-dessus. On a besoin de créativité quand on lance son entreprise et à tout moment, sur le chemin en fait de la vie de son entreprise quand elle grandit, parce qu'on a besoin, comme tu disais, le monde est changeant, on a besoin sans cesse. Alors quand je dis sans cesse, ça ne veut pas dire tous les matins, il faut réinventer des nouvelles choses, hein, il faut trouver le bon tempo. Moi, je fais ça régulièrement, je dirais, une réflexion profonde comme ça, une à deux fois par an, pour réajuster le tir, voir si je suis toujours sur la bonne trajectoire ou s'il y a des choses qui sont passées ou des opportunités qui arrivent qui me donnent envie d'aller vers d'autres chemins. Donc, des fois, on prend des chemins de traverse grâce à ça et puis on atteint son objectif un peu différemment. Mais à vous qui nous écoutez, de trouver le bon tempo. Hein, il ne faut pas le faire trop régulièrement non plus puis changer sans cesse d'idées. Mais il ne faut pas non plus dire « ça y est, j'ai lancé ma boîte, c'est fini, je me repose sur mes lauriers et puis advienne que pourra ». J'aime beaucoup cette idée que tu viens de nous partager. Tu t'accordes ce temps de réflexion. Quelque part, ça pourrait presque être un état des lieux de ce qui est et de ce qui peut arriver, ce qui peut survenir, la manière dont on peut développer son activité. Oui, tout à fait. Et ça, moi, je le propose dans des ateliers créatifs aussi, parce que je te disais, je travaille beaucoup par l'expérience. Donc moi, tout ce que je propose dans mes outils, dans mes accompagnements, dans mes formations, dans les ateliers que je facilite, je l'expérimente d'abord par moi-même. Donc moi, ça fait des années que je fais cet exercice-là, notamment en utilisant un outil très puissant que j'adore, c'est le collage, pour passer par du visuel, justement pour mettre un peu le mental au repos et se dire, ok, toi, tu sais pas encore là, tout en haut, ce que ça va être demain, quelles sont les envies. Mais par contre, je sais déjà au fond de moi. Et en passant par ces détours créatifs, et le collage est une des méthodes que j'utilise, ça me permet de voir apparaître des choses qui sont déjà présentes en moi et que ma tête n'avait pas encore compris. Donc, c'est notamment un des ateliers que je propose en fin d'année pour se faire, comme tu dis, un peu un bilan et puis se projeter, avoir une vision de comment on veut jardiner dans notre potager personnel là, les choses qu'on va devoir arracher pour laisser un peu plus de place et puis les nouvelles graines qu'on a envie de semer. C'est hyper intéressant en fait d'être acteur de son propre projet entrepreneurial. C'est notre, enfin pour moi c'est vraiment notre zone de liberté quand on est entrepreneur. C'est si on s'autorise pas ça, cette réflexion, on passe vraiment à côté de quelque chose. C'est une vraie source d'épanouissement de pouvoir ajuster
créer, être le jardinier de sa propre activité. Et c'est une belle vision que tu nous partages. Et d'ailleurs, ce qui est super aussi, c'est qu'en tant que jardinier ou jardinière de son jardin intérieur, on peut choisir de sortir avec des bottes et un kawé ou simplement se dire, bon allez, c'est bon, j'y vais en tongs, je mets une casquette et je passe quelques heures à l'intérieur parce que du coup, là, il fait beau, le soleil brille. Et quand il pleut, si on a besoin, on prend un parapluie, mais on s'adapte dans la joie et la bonne humeur parce qu'on va juste aller s'occuper de son jardin intérieur. Et on a besoin de la pluie aussi pour que ça grandisse. Au moins, on n'a pas toujours arrosé de la même manière parce que s'il pleut, du coup, on adapte aussi ses efforts parce que le terrain est déjà bien, bien arrosé. Et ça me fait penser à une conférence que j'avais entendue il y a quelques années avec Thomas d'Assembourg qui disait « on n'est pas responsable de la météo ». Ça, on ne peut pas le prévoir, on peut peut-être prévoir un peu, mais en tout cas, on n'a pas la main sur le changement de météo à l'extérieur dans son entreprise, mais il faut être connecté pour voir justement est-ce que je vais mettre un chapeau pour sortir ou mes lunettes de soleil. Par contre, on est responsable de notre réaction à cette météo. Donc, je peux me dire, oh là là, il pleut à l'extérieur, c'est la cata, il y a plein de choses, et puis voilà, se recroqueviller sur soi et puis pleurnicher. Où je peux me dire, ok, c'est peut-être l'occasion d'aller semer des graines parce qu'elles vont bientôt fleurir grâce à la pluie qui tombe. Et donc, on est responsable vraiment des réactions qu'on a face aux événements sur lesquels on n'a pas la main. Et ça, c'est notre zone de liberté. Et je rebondis sur Thomas d'Ansembourg qui partage des pépites sur la communication non violente et l'art de savoir communiquer avec les autres et avec soi. Oui, oui. Et c'est, moi, je dirais pour vous qui nous écoutez aussi, allez... Cherchez les personnes qui vous inspirent, écoutez-les, ça nourrit beaucoup. Moi, j'ai plein de petites phrases comme ça qui m'aident justement, tu vois, quand la météo bouscule un peu. Ok, je me rappelle de ce petit moment où il a dit ça. Et moi, je suis très visuelle, donc je fais des petits croquis, des petits schémas. J'ai ça aussi sur mon bureau. Et tu vois, j'ai des éléments qui me permettent de me ramener à ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a vite fait de sortir de cette routine qui est fertile et qui est favorable. Mais le quotidien, le stress, enfin, il y a plein de choses qui nous font perdre le chemin. Et donc, d'avoir ça peut être ces petites phrases dont je parlais, ça peut être des petits objets. Moi, j'ai des choses qui ont marqué des moments qui me rappellent à ça et qui me font revenir. Et peut-être plus que tout ça, c'est une qualité de présence à soi. Comment je réagis, comment je suis à l'instant donné. À présent, je souhaiterais te demander, Valérie, comment faire pour développer son imagination et sa créativité? Donc, on a déjà un bon aperçu, mais peut-être l'idée est peut-être de préciser de façon concrète comment vous pourriez, auditeur, mettre en place de nouvelles méthodes pour développer votre imagination et votre créativité. Des méthodes, j'en ai plein, plein, plein. Mais ce que je vous propose, plutôt que de faire un inventaire à la Prévert qui ne sera pas très concret, ce que je vous propose, et si tu es d'accord, Adriana, on va faire un petit jeu rapide ensemble que vous allez pouvoir réutiliser, vous qui nous écoutez. Tu nous ouvres ton sac de Mary Poppins. Ouais. Okay. Je te propose un exercice qui est vraiment simple et oui, très puissant. Donc, on va le faire une minute. D'accord. Après, je te propose qu'on puisse dire quelques mots sur cet exercice pour que vous puissiez comprendre ce que ça nous permet de faire. Malgré la simplicité apparente, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de travailler cette créativité. Mais on va y revenir après. L'exercice, c'est très simple. C'est de faire un ping-pong de mots. Donc, je vais te proposer un mot, Adriana, et l'idée c'est que tu me dises le plus rapidement et le plus spontanément possible le premier mot que tu associes au mot que j'ai donné. Puis je vais rebondir sur ton mot et puis toi sur le mien, etc., etc. Et on rebondit que sur le dernier mot qui a été donné. Hein, il ne faut pas se souvenir de tout l'enchaînement qui a été donné. Il ne faut pas faire un sens général. C'est juste le dernier mot qui a été donné, on rebondit dessus et on donne le premier mot qui vient spontanément. Let's go. Alors, je vais te dire le mot soleil. Rayonnement. Beauté. Magnificence. Les sens. La vue. La mer. Le sable. Chaleur. Coup de soleil. Aloe vera. Crème de jour. La nuit. Les étoiles. Alors, on va rester sur les étoiles. On va arrêter l'exercice là. Mais en fait, vous voyez ce petit exercice qui a l'air de rien. Qui est super sympathique, super fun, j'adore.
Et très, alors déjà, c'est fun, ça met en énergie, on appelle ça des échauffements créatifs parce que ça permet sur un temps très court de se mettre dans l'attitude qui vous permet d'être justement dans cette zone de créativité. Pourquoi ? Parce que là, on a été déjà dans un rythme assez rapide, justement pour éviter que notre mental réfléchisse trop et se dise « est-ce que c'est la bonne réponse à la question ?» Ça, on le met de côté. Donc, c'est important quand on veut se connecter à sa créativité de s'autoriser un espace d'expression sans censure, sans laisser de place aux petites voix qui nous disent « non, mais c'est pas original, Valérie, tu vas pas dire ça, Adriana, elle est bof, toi. » Non, ça, oust, dehors. Et c'est un espace où on s'exprime vraiment sans censure. Donc ça, on s'autorise ça et on le permet aussi grâce à ce petit jeu où on va très rapidement, voilà, pour pas avoir le temps de laisser de la place à ces petites voix. Mais c'est aussi un exercice qui fait travailler deux choses qui sont importantes en créativité. La fluidité, c'est la capacité à avoir beaucoup d'idées, parce que c'est pas vrai que si on cherche une idée pépite sur son projet, en 30 secondes, on va l'avoir, et en ayant la première idée qui nous passe par la tête, ça y est, bingo, c'est la pépite. Ça marche pas comme ça. Il faut d'abord noter plein d'idées, les plus banales, pour aller avoir de l'espace pour... chercher des idées plus originales et voilà, de rebond en rebond, comme on vient de le faire, les idées vont être voilà, de plus en plus brillantes. Donc, c'est important dans une recherche créative d'être fluide et de produire beaucoup d'idées. Pas se dire c'est la première qui est la bonne, aller derrière, aller plus loin et en essayer d'autres et en lister tout plein, tout plein. Donc ça, dans cet exercice, c'est ce qu'on a fait. On ne veut pas juste soleil jaune ou soleil plage ou je ne sais pas quoi, mais hop, 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 on fait toute une chaîne d'idées. Ça, c'est la fluidité. Et la deuxième chose qui est importante dans une recherche créative, c'est la flexibilité. C'est la capacité à avoir des idées dans des champs différents. Parce qu'on aurait pu dire soleil, nuages, pluie, enfin, tu vois, tout ce qui a trait à la météo, on serait resté dans un champ d'idées. Or là, on est passé à des analogies qui peuvent être plus des contraires, des adjectifs, des choses qui peuvent être plus subjectives. Peut-être même tu n'as pas compris certaines associations, ou moi je n'ai pas compris certaines de tes associations, mais ce n'est pas grave. C'est okay. En fait, ça, le rebond, c'est ça qui est OK. C'est que de fil en aiguille, ça nous aide, ça stimule notre créativité et l'expression sans censure de ces idées. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire tout seul en vous entraînant à faire le lien comme ça. Moi, j'appelle ça des vagues de mots, comme quand on vient de parler de plage et de mer. Faire des vagues de mots, je vais d'une vague à l'autre et je note tous les mots qui me viennent de proche en proche. Et c'est très amusant à faire en duo ou dans un groupe. Donc voilà un petit exercice que vous pouvez emporter facilement avec vous qui nous écoutez. Et à tester dans plein de situations différentes et vous allez voir, ça va déjà muscler votre aptitude à être créatif. Merci beaucoup pour cette pépite, Valérie. Et d'ailleurs, ça peut être une super thématique d'icebreaker. Je pense que je vais tester ça durant un icebreaker. Côté fun, il est juste topissime. Pour les auditeurs qui nous écoutent, justement, qui seraient intéressés, qui voudraient en savoir plus, comment est-ce qu'on peut te contacter? J'ai un site internet où il y a plein d'informations présentes sur LinkedIn et sur Instagram. Et il y a plein de choses que je fais que je communique pas aussi parce que c'est pas évident de pouvoir communiquer sur tout ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous si vous avez des besoins qui tournent autour de la créativité, si vous avez des réflexions à avoir, on peut échanger et puis voir comment je peux vous accompagner voilà, avec des prestations qui sont faites moi la plupart du temps sur mesure. Donc sur mon site j'ai mis un certain nombre de choses au catalogue pour montrer ce que je sais faire, comment je peux vous aider, mais en fait il y a plein de prestations que je fais sur mesure, et donc voilà, d'où l'intérêt de pouvoir échanger si vous avez des besoins, des questions autour de ça et puis voilà, envie d'avoir des trucs et astuces. J'ai un blog aussi sur mon site internet et une newsletter où je partage chaque mois des petits exercices concrets et des sources d'inspiration pour arroser ce jardin créatif. C'est noté, Valérie, et je souhaiterais à présent faire le lien avec l'IRA. Qu'est-ce que l'IRA représente pour toi au quotidien? Ce que l'IRA représente pour moi, c'est une vraie constellation, je dirais, d'entrepreneurs qui, pour moi, ont des valeurs en commun et avec moi et qui sont importantes. Je trouve que c'est une constellation dans laquelle il y a beaucoup de respect, c'est essentiel. Il y a beaucoup de générosité parce qu'on partage, voilà,
parce qu'on connaît, on partage les difficultés, on s'entraide, ça c'est hyper important. Et c'est aussi une constellation dans laquelle il y a beaucoup de curiosité, et ça c'est quelque chose qui m'est cher, et voilà, d'être curieux des autres, d'aller voir ce qu'ils font, d'échanger, de partager. Je suis ravie de faire partie de cette constellation. Et je suis ravie de te découvrir. Ça faisait plusieurs mois que je voyais tes posts passer sur LinkedIn. Bon, ça doit faire à peu près au moins 6 mois. Et je me disais, ce serait quand même sympathique d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec Valérie. Et l'occasion s'est présentée. Et merci pour ta présence. Je souhaiterais à présent te demander quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité. Quel serait ce conseil? Au-delà de tout ce qu'on pourrait dire sur le contenu de son projet, d'avoir quelque chose qui crée de la valeur pour ses clients. Évidemment, ça, c'est essentiel. Mais au-delà de tout ça, moi, je pense que la clé, elle est dans la présence à soi. Et donc, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas s'oublier. C'est de prendre soin de soi. C'est d'être à l'écoute. Et comme on le disait plus tôt, même c'est l'occasion d'une minute, en fait. Hein. Je sens que j'ai la tête dans le guidon. Je pars dans un mode... Hop, je m'arrête, je ferme les yeux, je me recentre sur ma respiration, j'écoute mes sensations, j'écoute ce qui est présent, et puis je réagis par rapport à ça. Si j'ai besoin d'aller marcher 5 minutes pour souffler, je fais ça. Et puis des fois, le calme revient simplement en ayant cette respiration, et je me remets à la tâche après. Mais c'est vraiment pour moi ce qui est à la clé, comme on disait en fait, hein, c'est le préalable pour que derrière on puisse faire fleurir, qu'on puisse... créer une activité qui soit à la fois riche pour nous et riche pour les clients à qui on s'adresse, bah, tout part de soi, tout part de ce terreau intérieur, ce jardin intérieur qu'on arrose et dont on prend soin en premier lieu. Tes mots sont une source d'inspiration, Valérie. Merci pour la générosité de toutes ces pépites que tu nous as partagées aujourd'hui. Bah écoute, c'est un grand plaisir, Adriana. C'était vraiment très chouette comme échange, et je serais ravie d'entendre les retours des auditeurs, les questions que vous pouvez avoir aussi. N'hésitez pas à réagir, à envoyer vos questions, et je me ferai un plaisir d'y répondre, de rebondir, d'apporter d'autres éléments. Voilà, si ça a suscité des interrogations et des envies, voilà, d'autres informations. Au plaisir de te rencontrer prochainement, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble, mais on ne s'est pas encore vu en live. J'en serais ravie. Et d'ici là, je te souhaite de belles créations et de belles innovations. Merci. Merci à toi, Adriana, et merci à tous ceux qui nous auront écoutés. À très vite. À très vite. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.